on doit fermer les frontières avec ce pays. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la RDC. On doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Ce n'est même pas à négocier. Ceux qui font le Kivu, vous voulez aller chez moi, Vira ou Afis, tout le monde passe par le Rwanda. Parce que la route du Congo n'est pas fréquentable. Et vous vous dites, qui a interdit à la RDC de tracer sa route? Et quand vous passez par le Rwanda, on vous prend pour des petits idiots. Alors que vous payez. Alors que si nous prenons notre route, il sera asphyxié. Je dis bien asphyxié. Donc c'est nous qui donnons de l'eau au moulin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez regarder. Voilà, la situation est grave, la situation est grave. L'Union européenne encourage le Rwanda à piller la RDC. Voilà, c'est le plus grand titre, comme je peux l'appeler. Ensuite, je vais vous parler de la démission de Vital Kamerhe et compagnons qui ont préféré aller siéger à la chambre basse du Parlement. Ensuite, il y a Patrick Mouyaya qui nous dit que le Rwanda, à une fin qui s'approche, que la fin de Paul Kagame est proche. Bon, on va savoir pourquoi il dit ça. Et de temps en temps, je vais piocher dans la revue de la presse ce qui se passe dans la presse, surtout, entre autres, je vais vous parler de la guerre aujourd'hui à Bouérimana. Voilà, chers compatriotes. Suivant. Voilà, nous allons en savoir plus sur l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Union européenne? L'Union européenne et le Rwanda signent un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières. C'est ce titre-là que vous voyez en anglais. Un protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières. C'est très grave ça, chers compatriotes. Cela veut dire que l'Union européenne encourage le Rwanda à piller nos minerais au Congo. Or, pour piller ces minerais, il faut que le Rwanda nous fasse la guerre. Et il faut que le Rwanda remporte cette guerre-là. Donc, l'Union européenne, en soutenant le Rwanda dans ce sens, et en disant plus loin, nous allons le lire, qu'il y a déjà une usine de raffinage du tantal, il y a déjà une usine de raffinage d'or. Il parle même de l'extraction de ces minerais. Mais au Rwanda, il n'y a rien. Où sont ces mines-là où le Rwanda va extraire les minerais? Ce n'est qu'au Congo. Donc, il pense renforcer la guerre, nous vaincre, prendre toute la partie est. C'est très grave ça. C'est pour ça, chers compatriotes ou chers gouvernants, passez vite au changement de la constitution. Nous devons avoir une nouvelle constitution parce que Paul Kagame continue toujours à leur brandir l'article 217 de cette constitution là, une constitution de guerre, une constitution obsolète.
une constitution qui ne nous arrange pas. C'est grâce à cet article 217 que Paul Tshibanda avait signé cet article-là. Ils s'en parlent en coulisses. Ils disent, voilà, ils m'ont octroyé toute cette partie-là. J'ai pas tort. Voilà, l'article 17, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est sur base de ça que l'Union européenne soutient le Rwanda pour nous arracher la partie est, balkaniser le pays. Ça, ils n'auront jamais ce pays. Mais il faut que nous remplissions ces conditions-là. Si je faisais partie des gouvernants, et ce n'est même pas nécessaire, il faut que le gouvernant écoute le peuple. Il est temps, s'il te plaît, il est temps de signer des alliances avec les plus forts. Cette position de non-aligné ne nous arrange pas. La position de non-aligné ne nous arrange pas. Il faut un accord militaire, soit avec la Chine, soit avec la Russie. Avec ceux-là qui possèdent l'arme nucléaire, ceux-là qui peuvent faire peur à l'Union européenne et aux États-Unis. N'écoutez pas ce que les États-Unis racontent en ce moment, qu'ils intiment l'ordre au Rwanda de retirer son armée de la RDC, que ils nous ont menti plusieurs fois, les Américains, ne les suivez pas. Voilà, nous continuons notre lecture de actualité.cd. L'Union européenne et le Rwanda ont signé lundi 19 février un protocole d'accord visant à promouvoir le développement de chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières. Donc c'était hier. La commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, ont signé cet accord qui vise à renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce protocole d'accord établit une coopération étroite entre l'Union européenne et le Rwanda dans 5 domaines clés, comprenant notamment l'intégration de chaînes de valeur durable, la promotion d'une production et d'une valorisation responsable des matières premières. Oui, les matières premières, puisque le Rwanda les a. Ainsi que la mobilisation de fonds pour le développement des infrastructures nécessaires. Selon un communiqué de l'Union européenne, cet accord démontre l'engagement mutuel des deux parties à renforcer leur partenariat. Vous entendez? Ils font confiance à ce sanguinaire, ce tueur, pour une intégration plus étroite des chaînes de valeur des matières premières. Il faut considérer maintenant l'Union européenne comme des sanguinaires, comme des tueurs qui cherchent le désordre dans le monde. Ils savent que Paul Kagame, c'est un sanguinaire, un génocidaire. Ils le savent. Que c'est un pilleur qui pille. C'est le mal pour l'Afrique centrale. Ils le savent, ils le font quand même. Et quand est-ce qu'ils le font? C'est hier. Cet accord démontre l'engagement mutuel des deux parties à renforcer leur partenariat pour une intégration plus étroite des chaînes de valeur des matières premières. Dans les six mois, l'Union européenne et le Rwanda élaboreront conjointement une feuille de route avec des mesures concrètes pour mettre en œuvre ce partenariat stratégique. Ce partenariat, selon Thierry Breton, commissaire au marché intérieur de l'Union européenne,
vise à établir une chaîne de valeur résiliente et durable pour les matières premières. Vous allez comprendre ces Français trop érudits là, en lisant. Couvrant l'extraction, le raffinage, vous entendez ? L'extraction, le raffinage, la transformation, le recyclage et le remplacement. L'extraction. Kobimisaba minere wana ba kobimisa yango wapi? Extraction wana ba kosala yango wapi? Est-ce que bango bazana coltan? Est-ce que bango bazana or? Ba raffinerie ou batongi na Rwanda. Eko raffiner ba minere eko uta wapi? Peut-être en Afrique, na bamboka mosusu. Mais pas, ils ne doivent pas viser ce qu'il y a au Congo. Il souligne également la capacité du Rwanda à devenir un centre de création de valeur ajoutée dans le secteur minier. D'accord, c'est ça que nous allons voir. Cette guerre-là, vous n'allez pas la gagner. Il est grand temps qu'on chasse l'Union européenne de la RDC. Vous voyez ce qu'ils font là ? Grâce à l'état de droit et à un environnement favorable aux investissements, le Rwanda a la capacité de devenir une plaque tournante dans le domaine de la création de valeur ajoutée dans le secteur des minerais. Une raffinerie d'or existe déjà, vous entendez ? Une raffinerie d'or existe déjà et une raffinerie de tantale sera bientôt opérationnelle. Elle n'est pas encore opérationnelle. Ils disent qu'elle sera bientôt opérationnelle. Mais avec le coltan qui viendra de quel pays? Le Rwanda possède également la seule fonderie d'État active en Afrique. Explique l'Union européenne. Ah bon? Très bien. Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, a souligné l'importance de cet accord pour le Rwanda, affirmant qu'il garantira la qualité et la traçabilité des matières premières, tout en renforçant la collaboration entre l'Union européenne et le Rwanda. Chers compatriotes, vous devez comprendre que ça, c'était un message adressé à la RDC. C'est vrai, ils ont signé ce protocole d'accord. Mais ce protocole d'accord, nous devons le comprendre comme un message adressé à la RDC. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale Gateway de l'Union européenne. Porte de sortie globale de l'Union européenne, c'est ça que ça veut dire, mot à mot, qui vise à réduire les disparités mondiales. Hein? Qui vise à réduire les disparités mondiales en matière d'investissement et à favoriser des connexions intelligentes, propres et sûres dans divers secteurs. Eh bien, la signature de ce document fait suite à d'autres accords similaires. Il y a eu d'autres accords similaires conclus avec d'autres pays, notamment la République démocratique du Congo. Ah bon ? Des accords conclu avec la République démocratique du Congo. Ils font allusion à quel accord? Est-ce qu'ils font allusion aux accords signés par Raymond Tshibanda? Ou aux accords qui ont été rejetés par le président Félix Tshisekedi, que Paul Kagame n'a pas
accepté et qu'il a préféré nous faire la guerre. Alors il y a eu des accords avec la République des Zambie et la Namibie, avec l'Union européenne ou avec le Rwanda, dans le cadre de la stratégie Global Gateway. J'aimerais en savoir plus sur la stratégie Global Gateway. Ça, on va le savoir. On reviendra là-dessus. La stratégie Global Gateway vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissements publics et privés entre 2021 et 2027, donc pendant 6 ans. Donc ça a commencé depuis 2021. Pour renforcer la prospérité et la sécurité de l'Europe et de ses partenaires mondiaux. C'est quoi ça? Ses partenaires mondiaux. Oui, là, nous comprenons, ils l'ont expliqué. C'est leur stratégie Global Gateway. Pour mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros entre 2021 et 2027. En vue de renforcer la prospérité et la sécurité de l'Europe et de ses partenaires mondiaux. Bonsoir. Eh oui, chers compatriotes, vous avez vu. C'est très grave. C'est très grave. Wana. Balingi. Balingi Bitumba Kaka. Donc là, c'est pour nous faire la guerre, sans aucun doute. Ils veulent nous faire la guerre, oui. Donc, ils ont encouragé le Rwanda à rechercher ou extraire les minéraux, pour les raffiner au Rwanda, les transformer au Rwanda. Mais ils n'en ont pas, ils n'ont pas ces minéraux. Alors, aucune confiance. Cherchons vraiment un partenaire avec un plus fort. Voilà, chers compatriotes, on continue avec le sujet suivant. Finalement, chers compatriotes, les ministres qui devaient démissionner ont commencé à démissionner, mais nous savons que l'expiration du délai, c'est aujourd'hui à minuit. En fait, Vital Kamerhe est parmi les premiers à opter pour leur siège à l'Assemblée nationale. Et Vital Kamerhe signe l'acte d'appartenance à la majorité parlementaire, comme vous pouvez le voir sur la photo de foxtime.cd. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, vient de jeter l'éponge au sein du gouvernement Sama Lukonde II et opte pour son siège à l'Assemblée nationale ce lundi 19 février 2024. Nous sommes déjà mardi, donc c'était hier. En effet, cette décision est consécutivement à la constitution juste après avoir déposé sa démission. Le président de l'UNC s'est entretenu avec l'informateur auprès de qui il a signé l'acte d'engagement pour la majorité parlementaire du président de la République. Il a bien signé qu'il appartient à la majorité parlementaire. Nous avons dit oui pour accompagner le président et avons aussi signé l'acte d'engagement, a-t-il indiqué. Voilà. Chers compatriotes, je peux également vous signaler que Vital Kamerhe est celui qui avait semé la
polémique avec son PCR qu'il avait créé ensemble avec Julien Paloukou. Qui est Julien Paloukou? C'est l'ancien ministre de l'Industrie qui est en ce moment incarcéré à la prison de Ndolo. Il est soupçonné dans les affaires d'intelligence avec le M23, avec Paul Kagame, etc. Il est cité par l'autre traître qu'on a arrêté. Il s'appelle Jimmy Nziali. Également déjà transféré à Kinshasa. Et il est en prison. Et il aurait cité Julien Paloukou. Et il y a des preuves qui incriminent Julien Paloukou comme étant un traître pendant tout ce temps qu'il était gouverneur du Nord Kivu. Voilà. Et tout ce temps qu'il était ministre de l'Industrie, auprès même du président de la République. C'est pourquoi on dit que le M23 était toujours présent à côté du président de la République sans le savoir. Voilà. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie du président Félix Tshisekedi. Traître infiltré en intelligence avec le M23. En ce net moment, il est en prison. Voilà. Par contre, le premier ministre Samalou Kondé n'a pas démissionné. Il a dit qu'il attend le retour du président de la République qu'il avait nommé pour démissionner. Et c'est une information qui a filtré vers ce magazine en ligne, foxtime.cd, sous couvert d'anonymat. Donc, de plusieurs membres de son entourage. Voilà. Il a promis de démissionner, de remettre sa démission au président de la République. Pourquoi les autres n'ont pas attendu le retour du président de la République? Ça, c'est un gros point d'interrogation que lui-même, le premier ministre Samalou Kondé, connaît. Voilà, cher compatriotes, nous passons un peu à la sécurité, la situation sécuritaire à l'Est aujourd'hui. Vous permettez un instant, rapidement, avant de vous parler de Bweremana, où il y a eu des affrontements aujourd'hui, laissez-moi vous parler rapidement, puisque on parle d'Augustin Kabuya, auprès de qui Vital Kamerhe a signé son appartenance et a choisi son siège de député. Alors je voulais tout simplement vous dire que ça va aller plus vite, que d'après cette information, cette vidéo que nous allons visionner ensemble, il paraît que Augustin Kabuya va aller plus vite. Il a 30 jours, bien sûr, mais apparemment, c'est comme si ça allait plus vite. Avant les 30 jours, peut-être qu'il aura déjà formé. C'est pas lui qui va former le gouvernement. Il aura déjà eu les informations suffisantes pour les remettre au président de la République qui formera le gouvernement. Alors, suivons, regardez. Visiblement caractérisé par un état d'esprit positif, l'informateur Augustin Kabuya, cravate rouge combinée au costume bleu, ouvre ses consultations de ce samedi 17 février avec LGD, parti de l'ancien premier ministre Matata Ponyo.
Après l'entretien avec l'informateur, avec sourire, Augustin Matata a préféré ne pas parler aux médias. Répondant à l'invitation de l'informateur, les regroupements politiques AFDCA est venu présenter à celui-ci la liste de ses élus qui tous soutiennent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Son patron, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, croit sans le moindre doute en une issue heureuse de cette démarche entreprise par l'informateur. Comme vous le savez, l'honorable Augustin Kabuya a été nommé par le président de la République comme informateur chargé d'identifier une coalition majoritaire en vue de composer le gouvernement après les élections combinées du 20 décembre 2013. C'est dans ce cadre-là, répondant à son invitation, que le regroupement AFDC et Alliés est venu présenter la liste de ses 36 députés nationaux mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les consultations, d'abord je dis qu'elles vont aller très vite parce que la majorité s'est dessinée déjà depuis la sortie des urnes. Et donc nous avons l'espoir, et d'ailleurs l'informateur nous a dit que ce travail devrait aller vite pour que rapidement on puisse mettre sur pied un nouveau gouvernement. Donc toutes les chances sont là. Sous le même chapitre, le groupe politique de l'Alliance et Action pour l'État des droits siégea à l'Assemblée nationale par le biais de sa hiérarchie incarnée par Lambert Mende Omalanga est venu confirmer auprès de l'informateur son appartenance à la majorité parlementaire. Alliance et Action pour l'État de droit, AE en sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabuya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, c'est-à-dire le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme l'AFDCA, l'UDPS Kibasa avec son chef de file Augustin Kibasa Maliba, très satisfait de l'entretien avec l'informateur, a hâte de voir le nouveau gouvernement se former. Ça se passe très bien et je suis plus que convaincu que ça ne prendra pas beaucoup de temps, étant donné que le souci que nous avons tous, et l'informateur nous l'a fait savoir, c'est de s'assurer que très rapidement nous puissions permettre au président de la République de pouvoir constituer le gouvernement, parce que il faut que le pays soit géré le plus rapidement possible. Vous savez que nous traversons des moments assez difficiles avec la guerre qui est à l'Est. Donc on ne peut pas se permettre de rester longtemps avec un pays qui n'a pas un gouvernement qui a le plein pouvoir d'engager justement la République. Donc j'ose croire que dans les jours à venir, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Nous allons avoir la majorité et que ça permettra au président de la République de nommer le Premier ministre qui, par la suite, permettra ce que nous puissions avoir, ou la République puisse avoir un gouvernement. L'Alliance des Congolais progressistes et alliés a aussi rencontré ce week-end l'informateur Augustin Kabuya. À l'occasion, son autorité morale, l'actuel gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobi Lambaka, a confirmé son appartenance à la majorité présidentielle. Nous sommes l'ACPA, nous sommes l'Alliance des Congolais progressistes et alliés, un regroupement politique ayant des assises au sein de l'Assemblée
et nationale. À cet effet, nous avons été conviés aujourd'hui, nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabuya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Mais la boucle des consultations pour ce samedi s'appelle « Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand ». Conduite par le ministre Pius Mwabilou, celle-ci s'est vue une réserve des hommes d'État dits des inconditionnels du président Tshisekedi. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République, sont les députés de l'Union sacrée. Donc je crois que les choses doivent être claires. Dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité, une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, c'est dans la volonté qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que son peuple lui a offert à plus de 73%. Le leader de AACPG ne finira pas son interview sans pour autant saluer la désignation au poste de l'informateur du député Augustin Kabuya. D'abord, le président a désigné à juste titre Augustin Kabuya. Parce que c'est lui qu'il fallait absolument choisir comme informateur, dans la mesure où c'est lui qui est le chef du plus grand parti de notre majorité parlementaire. C'est lui qui est le chef du parti au pouvoir. Par le parti du pouvoir. Nous pensons que effectivement l'informateur devait sortir de ce rang, tout comme j'ose le dire avec sans gêne que le premier ministre devait sortir du rang de ce grand parti politique que l'UDPS. Qu'il vienne du nord, du sud, de l'est, du centre, le premier ministre devait sortir du rang ou des rangs de ce grand parti. Nous sommes très fiers d'Augustin Kabuya et d'ailleurs nous l'avons prouvé au lendemain d'ailleurs de l'investiture du président de la République. Nous avons été un des premiers regroupements à lui démontrer que nous sommes naturellement avec l'UDPS. Nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabuya que nous soutenons à 100%. Et je le dis et je ne le dirai jamais assez. Comme pour le premier jour, l'informateur peut se frotter les mains pour la mission accomplie à mi-parcours. Toutefois, le plus dur reste à faire. Pendant ce temps, chers compatriotes, il y a eu des affrontements à l'Est. Et plus particulièrement à Bweremana. Vous voyez, ça c'est le paysage de Bweremana. Je sais pas comment on prononce ça. Bon, prononcer oui, mais l'intonation. Bweremana. Bweremana. Ou Bweremana. Bon. Ça dépend, l'essentiel c'est Bweremana. Voilà, ça c'est le panneau qui montre que nous sommes au village de Bweremana. Alors, dans le Masisi, aujourd'hui, le territoire du Masisi, il y a eu poursuite des hostilités entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 RDF près de Bweremana. Près de Bweremana, pas dans Bweremana. Je vous informe, chers compatriotes, que Bweremana se situe sur la route qui longe une portion du lac Kivu. Sur la route, Sake, Chacha, oh,
Brema, là, quelque part là, toujours le long de cette route-là, jusqu'à Minova, et cette route-là continue jusque dans le sud-sud Kivu. Vous voyez bien la carte, vous voyez le lac, vous voyez, je vous ai déjà montré plusieurs fois ça qui est où se trouve Sac. Vous foncez vers le sud, et sud, vous allez à Chacha, se trouve à 7 km de Saké. En plus, vous allez encore plus loin, il y a l'hôpital de Kiroshé. Ensuite, vous allez plus loin, vous arriverez à Bweremana et vous continuerez jusqu'à Minova. Voilà, c'est sur cet axe-là. Voilà, chers compatriotes. Et ils font tout. S'ils ont Bweremana, s'ils ont Chacha, ils arrivent à Saké. Mais ils sont loin, là. Bweremana, c'est déjà éloigné. Ils sont même pas dans Bweremana. Ils sont au-delà. Ils ne sont pas sur cette route-là. Et des affrontements persistants opposent depuis ce mardi matin, en 20 février 2024, c'était aujourd'hui, les résistants aux Alendo rebelles du M23 RDF à Ndumba, une colline surplombant le village de Bweremana, situé à environ 2 km du chef-lieu de la chefferie des Bahoundé, dans le groupement de Mopfouni Changa, en territoire de Massissi. Selon les informations obtenues auprès de la société civile active dans la région, les Genois Alelo ont lancé une attaque contre l'ennemi afin de le neutraliser dans cette partie de la province du Nord Kivu. Cette action vise à permettre aux populations de retourner massivement dans leur village, délaissé depuis l'arrivée des agresseurs. Une grande inquiétude règne désormais parmi les habitants de Bweremana, où jusqu'à maintenant le bruit assourdissant des armes lourdes continue de résonner, tandis que les jeunes maintiennent leur position sur la ligne de front. Voilà le village de Bweremana, il est très beau, regardez, c'est le long d'une portion du lac Kivu. Vous voyez, donc, aux alentours de 7 heures, les affrontements ont commencé. Les jeunes ont lancé une attaque contre les rebelles qui se trouvaient toujours à Ndumba. Bien que Ndumba soit un peu éloigné de Bweremana, à seulement environ 2 km, nous entendons toujours les tirs de mortiers et les décharges des pales provenant des armes lourdes. Malgré cela, certaines populations résistent encore. Nous ne nous retirons pas car nos jeunes sont toujours sur le front et nous savons qu'ils feront face aux rebelles jusqu'à ce qu'ils soient chassés, a déclaré à Kivu Morning Post un membre de la société civile locale sous couvert d'anonymat. Donc c'est une information de Kivu Morning Post. Pour l'instant, le bilan des hostilités n'est pas disponible. Voilà, chers compatriotes, c'est ça qui s'est passé. Ils ne sont pas arrivés à Bweremana. Les combats étaient encore en cours. On en saura plus, et quand on en saura plus, chers compatriotes, nous allons vous informer. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons nous arrêter ici. Nous pouvons nous arrêter ici. Il y a d'autres informations, nous pourrons vous communiquer dans les prochaines émissions. Et chers compatriotes, nous sommes là pour soutenir le président de la République. Luttons, luttons, luttons contre cette agression rwandaise. L'Union européenne n'est pas notre amie. Nous devons nous aligner vers d'autres partenaires. Nous devons signer des accords militaires avec plus fort que nous.
parce que nous avons en face de nous plus fort que nous. L'Union européenne soutient, encourage le Rwanda à faire la guerre. Donc, je vous ai montré par A plus B que cette signature d'un protocole d'accord avec le Rwanda, c'est une signature de la guerre contre la RDC. Comment peuvent-ils être sûrs d'extraire des minerais, les raffiner au Rwanda? Et en citant même les noms des minerais, le coltan, Colombo Tantal, oui, ils disent Tantal, l'usine de Tantal, etc. Mais je ne sais pas si les Américains feront la différence. Bon. C'est comme si ils montraient qu'ils se retournent contre les Rwandais, mais est-ce qu'ils sont fiables? Voilà, chers compatriotes, on ne va pas trop prolonger en longueur. Mais prions non seulement, prions, mais soyons sur nos gardes, alertons toujours. Et nous, nous continuons à alerter dans les médias. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes. I'm